nous saluons la presse écrite et télévisée, la presse en ligne également, pour conférence de presse ça matin. Et naturellement, conférence de presse ça nous fait, puisque c'est ministre de justice et sécurité publique, il y a des menaces graves. Groupe qui est le tête fantôme 509 et a fait ce ministère particulièrement, et qui sont groupes terroristes, je pèse mes mots, et cap crasé, cap brisé, cap détruit bien public, comme privé, croisé machine devant des citoyens, il n'y a pas besoin de qui est souillé. N'importe qui moun ouye a, tirer la caoutchouc machine, craser machine moun, bloquer la rue, mettre du feu, mettre caoutchouc, tirer la direction générale de la police, même respect par le commandement PNH là, détruire le ministère de l'économie et des finances pendant deux fois, vassaliser là qui sont ministère de tutelle, ministère de la justice qui là, que nous tous au courant, que nous crasons plus de 60 de machines. Il est entré là-haut, là, nous pillons, prend des documents importants, aller là-haut et faire des ordres dans tout le pays. Maintenant, il fait des menaces comme si il a vu craser le ministère ça. Il a parlé de 11, 12 et 13. Et particulièrement le 12 qui s'est fait la police nationale d'Haïti, 25e anniversaire et anniversaire de la police nationale d'Haïti. Et ils ont même dit que ils ont pas écrasé la direction générale de la police nationale d'Haïti. Et ils ont eu une information que nous avons dit deux fois, puisque nous avons infiltré, nous avons tout ça réglé. Bon côté qu'on réunit, bon, son leader politique qui sont médecins, nous pouvons voulu bailler non li parce que son monde nous connaît jusqu'à preuve du contraire, qui ton monde du bien. Et c'est dans le local li, médecin sans son chef de parti politique, nous pouvons voulu bailler non. Nous avons quitté toujours pour nous, est-ce que monsieur Sandel est capable de la vérité? Donc, comment des mondes qui fait être passé comme policiers, alors que c'est eux qui ont fait des ordres, qui ont fait action terroriste, alors que nous tous connaissons tout le monde qui, contre la police, contre l'armée, c'est le monde qui a des ordres, parce que un monde, si vous parlez des ordres, ou pas qu'à contre l'armée et la police. Deux institutions sont là pour rétablir l'ordre et discipline. Nous-mêmes, nous sommes policiers d'alarme, ainsi que ces militaires d'alarme, parce que c'est deux institutions que la Constitution connaît pour mettre sécurité dans notre pays, consacrées par la Constitution. Et nous ne sommes pas dans la police ni dans l'armée, mais et ces deux institutions, tout le monde qui a mis l'ordre et la discipline, pas qu'il y ait un problème avec l'armée et la police. Parce que l'armée est la gardienne de l'ordre et de la sécurité publique. La police, c'est une institution qui est au service des citoyens en l'honneur et à la dignité. Donc, et revendication de la police, là, on croit que par les personnes qui veulent payer un marché plus ici, d'accord. Personne ne peut pas opposer à ça. Il y a des côtés de mon province. Moi tellement, moi dans mon droit, mais mon droit l'être policier par exemple, vous savez. Mais cependant, ça doit se faire dans l'ordre et la discipline. Le policier n'est pas capable de briser, ça va en mauvais image à pays. Et l'information dit deux fois, il y a tendance à attaquer contre le président de la République. Là. Et au niveau de l'académie de police, et par rapport avec le 25e anniversaire, la police nationale, et qui supposait fêter et l'académie côté de Bonnet à Pétionville.
Mais il y a deux scénarios. Le premier scénario, un grand groupe qui va laisser attaquer contre le président, il va l'entrer. Nous tous connaissons ça, ça veut dire son nègre attaque au président de la République et qui conséquence grave ça la guerre. Mais c'est pour dire que le gouvernement fait massacre, etc. Ça, qu'est-ce que ça fait? Deuxièmement, c'est venu là pour proposer à faire sitting en ce sens, et dit que il y a des prisonniers politiques, il a arrêté arbitrairement, mais entre temps, il faut tomber dans la rue pour envahir là. Mais au lieu c'est éliminer physiquement, c'est ça que la télé dit, moi, comme ça que tout. Et naturellement, pour nous, dans la rue, il y a un gardien dans la filtre, tout ça qu'a fait, tout ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, on a dit, attention, moi, je suis en train de me dire, et déjà, je te fais là, nous jurer, ça va pas fait encore là. Et si on prend chance de venir là, ça ne prend pas eux. Et ne parle pour tout. À la guerre, comment la guerre? C'est moi, ministre justice et sécurité publique. Malchance pour eux, moi, là. Pas d'aucune pression, aucun chantage qui a fait ça. Et c'est terroriste. Et tout pays connaît comme un combat terroriste. Et pas de jouer avec eux. Et ne pas voir avec eux. Je veux clair sur ça. Et moi, là. Pas d'aucune pression. N'a pas nommé voyou vagabond. Moun sa pas policier yo et nous devons mettre la presse la bail photo mais là. Nous devons mettre ça.